10 € par mois, uniquement en France métropolitaine jusqu'au 22 novembre 2018 pour tous nos clients. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 8h01 qu'on amène le coq. Et qu'on le fasse chanter. C'est peut-être vous qu'on va appeler en direct dans 3 minutes pour doubler votre salaire pour la deuxième fois de la matinée. On va s'écouter Big Flo et Oli. Tout ça, c'est après les infos. L'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, une alternance d'éclaircies et de nuages beaucoup plus présents pour aujourd'hui sur Monaco, Menton et les Alpes-Maritimes. C'est surtout ce matin qu'on verra le plus le ciel bleu sur le littoral. Au thermomètre, les maximes ont resté voisines des 20 degrés, 15 un peu partout au réveil de la frontière italienne jusqu'à Cap d'Ail. 10 degrés sur les hauteurs actuellement attendent. Encore un mot de météo avec un record ce matin, celui du nombre de vigilances orange depuis janvier dans les Alpes-Maritimes. Il y en a eu 12 et l'année n'est pas encore finie. Un chiffre inégalé depuis l'instauration du dispositif d'alerte au début des années 2000. Des alertes pluie, inondations, vents violents, risques avalanches ou encore liés à la canicule cet été. Au moins 4 manifestations prévues le 17 dans les Alpes-Maritimes pour protester contre la hausse des prix du carburant notamment. Les Gilets jaunes manifesteront leur mécontentement sur la 8 au péage Saint-Isidore à Nice. Ils se mobiliseront également sur la place du Général de Gaulle. D'autres manifs prévus à Antibes et Cannes. Aujourd'hui, on est le 13 novembre 2018, 3 ans après les attentats à Paris et Saint-Denis. Un hommage sera rendu aujourd'hui aux 130 victimes. Un cortège reliera le Stade de France au Bataclan, passant par les terrasses des bars et restaurants parisiens visés par les terroristes. 2015, c'est aussi l'année de l'attaque au couteau sur 3 militaires à Nice devant un centre communautaire juif. Le parquet de Paris a requis le renvoi devant les assises de l'agresseur Moussa Koulibaly, un délinquant radicalisé. C'est désormais au juge d'instruction du pôle antiterroriste de Paris d'ordonner ou non le renvoi aux assises de cet homme originaire de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Spider-Man, les X-Men, les Avengers, Iron Man, les 4 Fantastiques, tous ces super-héros de bande dessinée signés Marvel, c'est lui qui les a créés, Stan Lee. Le scénariste américain est mort hier à l'âge de 95 ans. Vous l'avez forcément déjà vu puisqu'il faisait des apparitions dans les adaptations ciné des BD. L'hécatombe en équipe de France de foot. Didier Deschamps doit se passer de Pogba, Martial, Lacazette et Benjamin Mendy, tous forfaits. Du coup, le sélectionneur appelle Sissoko en renfort et convoque pour la première fois Alassane Pléa et Ferland Mendy. Les Bleus jouent un match capital vendredi aux Pays-Bas en Ligue des Nations. La semaine prochaine, ils affronteront aussi l'Uruguay en amical au Stade de France. En basket, l'AS Monaco se maintient ce mardi à la 10e place du championnat. La fin de la 9e journée élite se jouait hier soir à Levallois et Levallois l'a emporté 98-90 face à Limoges. Avant la 10e journée des vendredis, la Roca Team part aujourd'hui pour jouer demain l'Eurocup sur le parquet de l'Étoile Rouge de Belgrade. Enfin, pour finir, une première rencontre à Menton. La ville recherche actuellement des youtubeurs débutants ou confirmés pour un événement prévu le 1er décembre au Palais de l'Europe. Faites-vous connaître par mail à l'adresse jeunesse@ville-menton.fr ou par téléphone au 04 92 10 51 00. Voilà pour votre actu. Il est déjà 8h05, soyez les bienvenus sur Énergie, on va s'écouter Kaiser Panda. C'est beau. Ouais. Ça arrive pour vous, il y aura aussi Big Flo et Oli et tout de suite on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Comme chaque jour, 7h05 et 8h05, on vous appelle en direct pour doubler votre salaire. Pour que ça vous arrive, c'est simple, il suffit de vous inscrire. C'est gratuit, pas de numéro surtaxé, pas de SMS surtaxé. Il suffit juste d'aller sur manudansle69.com ou sur l'application manudansle69 ou sur energie.fr. Vous vous inscrivez, ça prend quelques secondes et c'est ce qu'a fait Priscilla. Priscilla habite Chartres, c'est en Eure-et-Loire. Elle a 32 ans et elle touche 1495 €. C'est son salaire, on va lui doubler. Attention. Allô ? Allô, c'est Priscilla ? Oui. Priscilla de Chartres ? Oui. Ça va ? Oui. Tu te doutes, hein ? Oui. Tu te dis que ça va être toi, là, hein ? Oui. Oh, à tout moment, elle peut exploser, hein ? Attention. Priscilla, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Marius sur Énergie !
fallait que ça sorte. Hein. Ah ouais. Ah. Oh, merci, merci, merci. Cécilia, 1495 euros, c'est ton salaire. On va le doubler. Écoute-moi bien, tu vas recevoir 2990 euros. Merci, merci. Oh, t'es tout ému, oh. Priscilla. Oui. Ça va? Oui, ça va. On peut dire que Priscilla est du matin, hein. Elle a la pêche très tôt quand même. Hein. Enfin, ah bah oui, je suis au taquet, hein, je suis au taquet. T'es réveillée depuis longtemps? Depuis 6h30 à peu près. Ah ouais. Je vous écoute tous les matins, donc... Mais tu travailles déjà là ou t'es encore chez toi? Non, 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 je suis encore chez moi là. Ah oui, t'es du matin mais tu prends ton temps. Ouais, voilà, c'est exactement, c'est ça. Priscilla, 2990 euros, on va doubler ton salaire, ça va arriver très vite chez toi. Tu es responsable chez Calzedonia. C'est ça, tout à fait. Alors, je ne connais un pas. Un magasin de collants. C'est un magasin de bah, l'hiver, l'automne-hiver, on fait des collants, des chaussettes et des leggings. Et l'été, on fait des maillots de bain. C'est rigolo, ouais, ouais, ça. Ouais. Selon la saison, vous vous adaptez, vous faites pas du tout les mêmes trucs. Exactement, bah, okay. En fait on reste sur la même base, c'est du lycra. Et donc c'est pour ça que l'été c'est les maillots de bain et que l'automne hiver c'est les collants. Okay. Et du coup Priscilla, tu auras peut-être la réponse. Pourquoi c'est si cher les collants? Mais c'est pas cher chez nous. Il faut venir chez nous. On a bien compris. Et t'as une technique pour pas les trouer? Bah, alors la plupart du temps quand on les... Enfin je sais que moi la première quand je les trouve par exemple c'est au bout du pied. Donc, faut mettre tout simplement une petite chaussette de protection pour pas les trouver. C'est vrai que quand tu sors, tu sors, tu mets ta plus belle robe et les collants, une petite chaussette de tennis par-dessus. Mais non, mais c'est, Manu. C'est toujours glamour. Dans une bottine. Ça bête. Ah, écoutez, je veux pas rentrer dans la discussion. Priscilla, on double ton salaire, 2990 euros. Ça arrive très vite pour toi. Bravo. Merci, je vous adore. Continuez, hein. Eh ben, ah oui, on va continuer. Ouais. Priscilla, on continue parce qu'il y a des gens comme toi qui tous les matins mettent 3 heures pour se réveiller. Exactement. Et c'est pour ça qu'on est là. On t'embrasse fort. 8h08.